Les autres sont. Bonjour. Si j'ai fait cette vidéo parce que pour mon dieu en tout cas. Il y a un manifestant. On a marché sur le boulevard. Malheureusement, je n'avais pas les téléphones sur moi. Je suis avec Toms. Bonjour. Avec Rose Kabala. Pour mon t-shirt, on a la tindé dans tout cas. On a laissé quand même travail Nabiso pour Doya pour manifester. Parce que personnellement, moi, en tant que Gloria, je suis touchée par Nara Moana, mais après, ça ne pèse pas. Mais et pour le reste des Congolais, Sigo et Zandéni, qui n'ont pas le moyen, par exemple, d'acheter 117 dollars wana et puis pour payer la taxe wana eram. Pauvre maman a été kakama par Zandéni. Nous sommes en plein régime de Félix Tshisekedi qui prend le tas de droits. Mais on ne comprend pas qu'on nous brutalise, nous, des manifestants non violents surtout. Nous ne sommes munis de. D'aucun outil, il y a guerre. Dans un objet mort tranchante, au coqui, pour brutaliser la police, mais on nous traite comme des animaux. C'est pas croyable. Si nous manifestons, c'est pas par plaisir, c'est pas pour des raisons politiques, parce qu'on n'aime pas le régime de Félix, ou bien parce qu'on n'aime pas la tête de Kibasa. Mais simplement, si nous manifestons, c'est simplement parce que nous en avons marre. Hein? Marque nous le petit peuple va rançonner Bissot alors que déjà la situation sociale elle dégénère. Un sac de riz qu'on achetait à 38 000 francs maintenant on l'achète à 41 000 francs quand même. Comprenez, pour comprendre ta souffrance à pas congolais, dollars ils en a combien? Bozo exiger Bissot Ram payer la taxe, c'est bien bon, mais déjà quand on paye une taxe et ça sera toujours accompagné d'un contrepartie. Et ça, en raison, il y a service public, oh, l'État, oh, c'est la Bino. Les Bino populations, vous foutez les taxes. Mais sur la contrepartie, les anines. Je ne sais pas, Tom, si tu as la parole, mais moi, en tout cas, je vois de parti, bambang ou tout ça. Donc, si tu as, tu peux parler. Hein. Bon, d'accord. Bonjour à tous. Je vous vois nombreux là en train de nous suivre. Message à mon corps. Nous sommes Congolais, sans coloration politique. Partout la patrie nous appelle, nous sommes obligés de répondre présent. Mingo Batseza était sur ce que Gloria vient de dire. Moi je vous donne rendez-vous demain à 9h30 sur B1. On sera obligé de fixer l'opinion par rapport à Mouramnios et les Kani, par rapport à déroulement et à marche, et surtout par rapport à Kimoi Bioyo, et ça les mains à la tête de l'institution. Je suis désolé, s'il vous plaît. J'allais faire une petite mise au point. Je sais qu'il y a nos amis du MNC qui nous suivent. Je sais qu'il y a nos amis qui sont au pouvoir qui nous suivent. Mais sachez une chose. Moi, quand il s'agit de défendre la cause nationale, je ne regarde pas la coloration politique. Même si ça s'est fait au sein d'un ministère géré par les gens du MNC, nous allons nous lever et nous allons dire non à l'escobarderie. Nous allons nous lever et dire non. Bissot Obunaki, Nabagloria, nous n'étions pas dans la rue pour continuer à vivre pire que Kabila du point de vue social. Ça va pas, je l'ai dit et je suis conscient de ce que je dis. Ma camarade Nabiso, ma marché Nabiso, et Belé Bazoki, et Belé Baboung ici, ma téléphone, policier Moï, Bibaï, Biba téléphone, Baï, Biba Mongo, et tout ça nous ne pouvons pas accepter. S'il faut d'abord, chaque jour, tout ce qui a mis ça dans Nabiso, ma occupation Nabiso, pour venir défendre la cause nationale, nous le ferons et nous le ferons très bien. Personnellement, moi, je suis en train. Non, bah, je suis infranté. Mais je ne marche pas pour moi, mais pour ces mamans qui n'ont pas la capacité de parler, pour ces mamans qui n'ont pas la capacité de faire la rue comme nous, nous sommes obligés de dire non, 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 non face au vol. Là-bas, niveau ni on se s'organiser, ils sont au hôtel et mélange. Parce que ce n'est pas normal. Là maintenant, tu es outil, calmement, quand on a quand l'oufou là, tu es outil. Et puis arriver, tous ceux qui nous ont déposé mes mots, parce que nous pensons que c'est légitime. La Constitution, de par son article, le bandit dans 11-33, ils ont prévoit droit à la manifestation libre. Et personne, alors, ne peut, côté les Melabato, marcher sans Bambeli, sans tous ceux qui ont été dans la loba, dans la loba. Donc voilà. Il y a des blessés, il y a des blessés, il y a des blessés. Donc,
Et puis après ça, nous irons à l'hôpital. Tony, Tony, viens, Yaka, viens, viens, Yaka. Tony, Yaka, Yaka. Bravo. Tiens, quand Tony. 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 Vous voyez, au moment où il va bêtir, il va brutaliser. Mais pour le voilà. Dans l'état. Là, c'est ça, bon, bon, on est pas bêtis. Pour partager vidéo, hein. Donc, ministre, dans l'explication, moi, on fait sa vie sauter. Ministre, bon, t'as là, t'as là, bon, t'as là. Bon, bon, oh, bon, ils ont maquillé là. Voilà comment il a été brutalisé par les policiers. Hein, bon, on est. Toi, pour nous manifester contre Félix, toi, pour toi, bien, Félix, t'as pouvoir, t'es. Mais toi, justement, Kobo et Tati arabe. Et voilà comment on traite les citoyens. C'est incroyable. Je ne pouvais pas imaginer, je n'ai jamais rêvé que Félix, les policiers sous le régime de Félix nous maltraitent de cette façon. On n'a insulté personne. Nous n'étions munis na eloko morote o egoïko za la violent pour empêcher ma police ba sa musa na bango, mais voilà comment on nous a brutalisés. Si nous manifestons contre cette taxe, c'est pas parce qu'on ne veut pas payer des taxes, parce que déjà on paye des taxes quand on achète les crédits, on paye des taxes. Quand on achète les téléphones, on paye les taxes. On ne peut pas refuser parce que dans certains états, basan a ba ressources naturelles, des ba vivra kaka na ba taxe na ba impôt. Mais taxes, ceux qui congolais ont foutu la taxe partout ailleurs, on a été là. Quand les gens, les populations payent les taxes, on sous-entend qu'il y a une contrepartie. Contrepartie, elle sera souvent service public. Oh, l'état organise ça. En raison, il y a mbongo à percevoir kaka population. Mais on peut nous dire, on peut énumérer. La taxe haute fout déjà et le conin va sala n'a mbongo va zoar et la taxe on n'a rien du tout. On paye les vignettes ici. Regardez l'état de nos routes, regardez les infrastructures en République démocratique du Congo. Mais voilà, c'est ça l'état de droit. C'est incroyable. Je regrette, je regrette. Regardez la situation sociale des Congolais. Je l'ai dit, bon, je l'ai dit avec peine dans mon cœur. Regardez la situation sociale. Regardez aujourd'hui. Un savon qu'on achetait, un savon appelé génie qu'on achetait à 300 francs, aujourd'hui on l'achète à 500 francs. Aujourd'hui le dollar est à 20 000 francs. Regardez, salaire, il y a pas fonctionnaire. Pouvoir d'achat, il y a combien. Tout ça, ce sont des situations hyper wana. Les impôts sur le revenu, il y a 15%, ils ont ébélé. Regardez ce qu'on a dit, il y a un peu de temps. Parce que. C'est incroyable. Je regrette. On a réprimé les manifestants. Simplement. Voilà, voilà les questions. Votre manifestation avait. Vous pensez que dans un pays qui se veut démocratique, on peut accepter de manifester sans pour autant informer l'autorité? Déjà, nous sommes sous le régime d'information. Pas sous le régime d'autorisation en matière de manifestations publiques. La constitution, elle est très claire. Les gens qui veulent manifester sont tenus d'informer l'autorité. On n'a jamais dit que les gens, oh, faut pas manifester, bah, passer à autorisation. Dans le deux jours avant la manifestation, 48 heures, vous écrivez. C'est ce qu'on a fait. Mais on nous réprime. C'est incroyable. C'est ça le tas de droits qu'on nous a vanté pendant toutes ces années. Les gens qui disent qu'ils ont lutté pendant 37 ans, je ne sais rien. Mais regardez comment on traite les simples manifestants, pacifiques aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. Aucun député n'en parle. J'aurais voulu que nos députés interpellent les ministres. Mais tous les députés, n'ont pas été engagés. 2023, il faut les sanctionner. Quand il s'agit, il y a qu'au sein de la poste de l'Union sacrée, ils disent qu'ils sont des députés révolutionnaires. Mais rampons, ils allaient qu'on touche la situation sociale, il y a pas congolais. Je n'ai vu aucun député, je n'ai entendu aucun député passer dans l'hémicycle à l'Obéli Kamboaram. C'est incroyable, c'est incroyable. Les députés, ils n'ont pas témoin, 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 ils Bangomoro bazomona ba député tozana poste na micho ba député ba loba ba lobité soki ki kamba ko luka ba poste pa Félix
Mais maintenant, Toyoki Binote, c'est incroyable, c'est tout ce qu'on avait à dire. On a fait ce qu'on pouvait. Moi, je peux m'acheter. Moi, Gloria, je travaille, je peux m'acheter. Ramwana, je vais payer ça, c'est pas un problème. Et c'est l'autre côté, c'est $117. Mais, pas tout le monde, la population, il y a un moyen à monter. Téléphone à 10 000 francs. Moi je vais acheter, c'est pas un problème parce que jour où on a obligé de mettre un crédit à $25. Et ça, il n'a pas l'autre côté parce que je travaille, je suis rémunérée, on m'a payé mon argent, j'ai fait. Mais si je ne mets pas, c'est pour mon pays. Je ne mets pas, c'est pour mon pays, c'est pour mon pays, il n'est pas ça. Ce qui est acquis, car non, j'allais dire, ok, je m'en fous, c'est un lundi, je pars au travail, et puis ça continue. La vie continue, mais si on le fait, c'est par amour pour notre peuple. C'est par amour pour notre peuple. Mais c'est incroyable, hein. Pas continuer pour traiter Bissot. N'est-ce pas traiter Bissot pour un régime à Félix. C'est pas grave. Il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. Tout passe, tout coule. Rien ne demeure sous le soleil. Nous sommes les Karadango. Et ça gravité. Mais, pas député. Il y a Kinshasa surtout. Pas tcha ka minoko. Ce que Zaki Makambo poste réunion sacrée. Nous sommes des révolutionnaires pour réclamer les postes. Mais pour nous, les gens dans l'hémicycle, interrogez les ministres, on n'a pas l'excès dans l'hémicycle, va poser la question. Bazate, c'est pas grave. Nous, on fait ça par amour pour le Congo. Je ne suis pas partie au travail aujourd'hui, je suis sortie pour mon peuple. Ok, c'est pas grave, on va continuer, on va manifester. Oh, en ce qui concerne les sociétés congolais, on va manifester. On n'est pas contre. Non, mais c'est la dictature. Il faut dire ça. Ouais, mais nous sommes. Non, c'est la dictature. Non, c'est pas que je suis douce. Je suis en droit que l'on va global. C'est pas que je suis douce. C'est nous sommes sous la dictature. Dictature totale. Je suis en direct. Je suis en direct. Yaroloba, si tu as besoin de parler, tu viens parler. Yaroloba, viens parler. Mais c'est clair, Félix, on est au sol, on est au Kabila moral, donc Kabila, laissons pardon, Kabila dictateur, Kabila machin. Mais Félix est devenu plus dictateur que Kabila. Comment sous Félix, Hein? On ne peut pas comprendre sous Félix, les citoyens manifestent pacifiquement, les activistes manifestent pacifiquement. Et, il y a des policiers, va torturer, des criminels. Vous pouvez imaginer, activiste est mort comme un testicule. Il est en train de saigner. Ils ont torturé Bissot donc atrocement. Juste parce que nous sommes en train de manifester pour une cause noble. Est-ce que Ramwana, maman, tout va tout passer là-bas, téléphone est $10. Comment dirais-je, parce que là-bas, on a un wifi, internet, c'est connexion. Maintenant, on va profiter de la wifi. Est-ce qu'il y a pour un wifi dans l'université? Macha, comment va ça là? Est-ce qu'à Saint-Gararam? Est-ce que Macha, comment va-t-on avoir un wifi dans l'université? À Saint-Gararam? Donc il faut régime à Félix et là ma camoufle ma belle collègue à Kabila. Mais ils ont ôté les mélanges ma casse. Ceux qui Kabila ont ôté les mélanges pour la dictature. Félix il peut ôter les mélanges ma casse pour permettre de leur ôter. T'as les autres transpirés. Bah zone on a besoin de quoi là-bas criminel. Bah aussi là-bas militaire. T'es qu'on en a est là-bas qui est ici habitué. Bah moi ma casse d'abord c'est la carte là-bas marche citoyenne pour torturer pour arrêter brutalement. Félix a commis dictateur collègue à Kabila. Félix n'a lu rose aucun des wana. Oh, aux autres qui n'ont pas peur qu'on ait une casse de l'inara Kabila, sans mâcher les mots. C'est ça qui devrait être dit. Et c'est la raté. Oh, Mboka Ndenge Nino. Oh, Mboka Ndenge Nino, Mboka est en la loi. Attends. On ne peut pas, Mboka, normalement, ils sont dirigés par les normes. On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. On nous impose des choses. Taxes, contrepartie, les anines. Ce qu'ils ont impôts. Loi, ni loi, ils ont imposé en gros. Tout ça, la gêne de ton nino. Il y a un moment où on a dit que c'est très fort, tu vas quand? Tout ça, esclaves na bango, Vous voyez, donc, pour n'a qu'on réclamé le droit à Nabiso. Mais ce qui bat ça, a un projet, il y a escroquerie.
ya ram pour na escroquer peuple congolais yango biso ba population otozala qui veillé to lobi que non bino bozawa na bosale lo côté pour na peuple mututé akoya konyoko la lisusu peuple oyo bino boza ko faire souffrir depuis bino boyé botira liko sale lo ka malonga te pour na peuple. Mais boye li sous ko baxe sous taxe au babengi ram. Je me rappelle bien et puis ti le nazana tuto wana ya monsieur Félix oyo a tuitaka quand il était encore opposant que non wana ne pour Kabila que non crédit appel internet SMS na Congo ezali cher donc il faut monsieur Kabila ameka ko revoir bakou wana mais ye aye atikali ko sala elo kote Niko qui dit ça, Babilo, oye, a réclamé qui lobby hier, mais le lot a eu le souci de la bise au RAM. Donc, RAM, c'est simplement qui m'oïb. Un ministre a coquille jamais consigné, arrêté, puis simple arrêté et coquille jamais. Simplement un arrêté et coquille jamais. Qu'on passe ma cambouillara et quoi, et récolte yambong. Un arrêté jamais et coquille qu'on sale ma cambouillambong. Donc, mais ce qui passe par un arrêté, Azako, qu'on installe taxe mort, ils allaient simplement Kimoïbi. Ils allaient justement Kimoïbi. Ils allaient copier ce baron, million pour la Romone, peut-être que notre 2023 est prêt. Parce que oui, c'est vrai, moi-même personnellement, on a eu des tête à tête avec le monsieur Kibasa pour parler souvent parce qu'on ne voyait pas clair. Écoute ce que monsieur Kibasa disait à nous, payer seulement les taxes et aider l'État. Donc il kakaboye bino bosale le côté biso to aider l'état to futa bambo na biso kakaboye pourquoi faire pourquoi kakaboye to futa mbongo après quelle est contrepartie ya refuta taxe wana contrepartie exacte donc ngana futa taxe kakaboye mbongo na futi kakaboye mais na ebelo na gagner na retour te attends même les trucs qui n'ont reçu pas lipa, au pays simbongo lipa, bah pays sur lipa mutana zimbongo. Mais est-ce que Naram n'a zozoani? Naram n'a zozoani. Mais y'a encore le bibou. Nous sommes déterminés. Ça c'est pas la première fois. Mais nous sommes prêts à mourir. Vous voyez déjà des signes. Où est-ce que nous sommes prêts à mourir? Donc nous allons aller jusqu'au bout pour arrêter soi-disant ceux qui copient Nabango et Ramoana et ça la retirer simplement. Et puis, bon, on a notre basse sur le camarade, et puis, mais ce qui passe, ça peut être le basse comme on a été. Parce que le peuple congolais, il ne peut pas accepter d'être escroqué. Ceux qui ont lobby qui n'ont pas internet, bah wifi à l'université. Mais pourquoi pas, bah, qui qu'on soit frais à wifi, bah, intégré en gros, soit pendant l'inscription. L'inscription, il y a étudiant. Ou bien, tu es basse, on va cotiser, on a prêt académique. Pourquoi pas? Mais bon, regardez, ça veut dire que non, bon, tiens, la bino ba wifi. Bazolo bo, mboka mobimba ba rotia wifi ofele, même la bino ba tapoto. Bon, et bien que non, et pas la bino internet jamais à la gratuit. Vous voyez des démagogies, oh, mais c'est qui ba ça zoya nango. Même la poto internet est jamais gratuit. Malgré ça coûter moins cher, mais ça même pas gratuit. Mais c'est qui ba ça zoya, ça veut dire que non. Contrefaçon, bazolo lutter contre contrefaçon. C'est quoi OCC Moussa ne zakani. Il y a un rappel au bisou de Zoloba. Ton foutu OCC, ton foutu à OCC. Mais OCC a tiki, OCC a failli, na moussala naye. Il y a contrôle, et comme il y a un peuple congolais, a bandé sous ce qu'il y a, sous ce qu'il y a, sous ce qu'il y a, contrefait. Et puis, il y a un téléphone contrefait. Oui, ce qui est là, il y a un téléphone contrefait, il y a un foutu 7 dollars au bazo. Téléphone contrefait, comme original. Téléphone contrefait, comme original. Vous voyez l'escroquerie? Bon, oui, soit disant, je paye un téléphone dans un Ezali original. Je paye les 7 dollars. Mais pourquoi continuer de payer chaque année alors que mon téléphone est original? Bazon le bakeno, oh. Bazon le bakeno, téléphone, quoi? Oh, Ezali enregistrement, il y a Bassim, soit disant, bah, du mail, oui. Dans un enregistrement, le col, la sim, dans la près de 7 ans. Mais pourquoi pas enregistrer une fois seulement? Mais comme il y a non, oh. Chaque année, il y a 7 dollars. Donc, si on a ça, il y a 24 ans, 20 ans. Donc, je dois payer les 7 dollars pendant 20 ans ou je ne sais pas, 24 ans. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous disons que c'est simplement l'escroquerie. Monsieur Félix, si vous êtes là vraiment pour la population, vous devez arrêter avec les démagogies des rames. Je sais que non, monsieur Kibas, il était reconduit pour continuer le projet au Yaram. Mais je crois que non, vous avez compris que non.
le peuple. Le peuple d'abord, il y a un gros point d'accord. Aza d'accord, Nangote. Vous devez revoir décision Nabino. Ram. Bon, lutter contre contrefaçon. Et le réseau pour Mamboko Lelo et Zali Kakaram. Quelle démagogie! Et le réseau pour Makongo Lelo et Zali Kakaram. Vraiment, qui m'ont mis ciel ouvert. Oh là là! Donc, vous voyez? Donc, il n'y a rien où Ezali et Loko Moussousou. Tout simplement, Ezali Kambaram, Ezali simplement, pour la recevoir son riche. Yoka, et puis, bah, il y a Botala, Batoyo, Bazakozoa. Manifestation Botala, Bolande, il est frappé par donc, les policiers. Nalobi Boui, Botala, société Obaye Nango. Donc, tout ça, le Bakanga qui camé répond à. Oh, Baba contrat gré à gré. Gré à gré. Mais ce qui va s'appeler à un contrat gré à gré pour la RAM. Et ça, la société, moi, recommande 5 SC énergie. Société, on a. Tu as vu place où tu es. Place Oyo, mais ce qui va s'appeler. Alors, ça qui, je ne sais pas, appel, je ne sais pas, va marcher, mais. Toti Kali, comment on a. Appel de. Appel. Donc, vous voyez, donc, à Rande Toza, Toza la Gombe, donc nous sommes dispersés. Nous sommes dispersés, donc, Babeti Bisson en dengue mort, donc voilà, donc, Naïbeta Otozali, donc, Missou Soubaza Lagoni, donc, on ne sait pas quoi faire actuellement. Babeti, Awa, Toza qui dit Bosson, il y a Casino Royal, Babeti, Nini, Simamundu, qui va en Asseboué. Nabatescule. Donc. Testicule, hein. Donc, quand elle est qui. Moi-même, Dengue Zaboué. Tokomi, même. Donc, Bango, Botala Tokomi, n'a place des évolués. C'est là, juste devant un Casino Royal. Juste le Wanagara, la prince, avenue. Ceux qui roient Baudouin, tout ça. Bah, policier, bah, lobby, niette. On ne peut pas arriver dans la prématuré. Donc, oh, mais c'est ça, Malokonde. Mais c'est ça, Malokonde, hier, Azali. Mais c'est ça, Malokonde, à qui jamais qu'on recevoir, que ce soit nous, ni notre mémo. Donc, voilà, dans le régime Otoza Nango, c'est à vous de tirer des leçons. Mais on est là, nous sommes prêts, il y a Koufa, mais Ram est relégué. La cause noble. Voilà donc au bout de dans des cotonies moi j'ai bof to finara voilà nous sommes dans les taxis donc on est sorti même sans véhicule parce que avec ces policiers on ne sait pas ce qui peut arriver à nos petits véhicules donc voilà bande des autres qui est plutôt qu'un des wiri fonda kaka maman y a tout bande 4A. Maman, où est-ce? Oh.